décision planifiée dès l'origine, Moka se façonne en Smart City et s'engage ainsi à harmoniser passé et futur, authenticité et modernité. Moka, le cœur de l'île. Dans le structure légale de nos pays, ban camarades journalistes, vraiment, je peux subir une certaine pression, une certaine violation de ce manoir. Nous venons constater, avec beaucoup de preuves, qu'il y a problème de ban journaliste là, les trouve au niveau de la rédaction. Je parmi ban travailleurs dans Maurice, qui section 54 du Employment Rights Act, le Violence at Work, le plus appliqué. Sa section-là, les causes, bien sûr, physical assault, contre Apendimoun ou Batli, mais les causes, bullying, molesting, harassment, sexual harassment, qui très concerné pour mon camarade journaliste. Je peux peut-être choquer quand nous disons que nous avons téléphoné nous d'un soir en l'homme. Même dans un moment de la journée, souvent des fois, quand soit je peux donner l'article, soit en briefing, devant les autres collègues, malgré tout, je suis. Finalement, c'est un personnel de la MBC qui, à un moment, me dit à nous, qui se rédactait, disait je suis trop gros pour passer aux antennes. Qui est un sexuel harassment? Parce qu'il y a besoin de dire que les gens ne sont pas là pour analyser tout ce point qui est là pour trouver les trop gros. Alors, pour lui, il est vilain. Il ne va pas passer aux antennes. Ineuf, il est neuf. Il n'est pas possible qu'il s'en mascarade là, continue. Il est capable de dénoncer. Et il y a un organe qui est créé qui s'appelle Mediatrust. Mediatrust, pour nous fait un corrélationnel au ce qui, pour le syndicat, appelle Trade Union Trust Fund. Pour nous, ce rôle, c'est juste la formation. À part ça, il n'y a aucun rôle. Il y en a 400 journalistes dans Maurice. Ce n'est pas un chiffre négligeable. Et nous pouvons quand même adresser un message à Saman, propriétaire de presse, rendre un service sans autre latitude et comment sans autre stricture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui font signer un contrat de travail qui est souvent des fois anticonstitutionnel. Si vous quittez la presse, des gens au pénal droit travaillent dans le monde de la presse. Mais ce n'est pas normal, puisque vous ne savez faire que ça. Ça, c'est condamner les gens à rester sans boulot. Et c'est anticonstitutionnel. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous pouvez créer le ministère du Travail pour vous faire l'enquête. Ça va un contrat là, bien résilié. L'autre côté, il y a ce qu'on appelle une bonne. C'est-à-dire, si un journaliste, un journal prend un travail ou un jeune, il dit au mot de nous des entraînings. En plus, il n'est pas payé un salaire énorme, il met tout training. Et il dit, mais si vous quittez, il dit, où ça des entraînings là, il équivaut à 200 000 roupies. Ou bien remboursement ça. Ça n'a pas existé, ça. Et là, moi, j'ai envie quand même qu'il s'en met ça à nos oreilles de sa bande rédacteur là. CTSP, pas pour faire ce cadeau. Nous jamais fin attachons aucun la presse, ou envie de couvrir nous, pas envie de couvrir ou pas couvrir. Nous but, c'est rentrer dans une négociation sectorielle. C'est mettre tout patron journal là, plus les syndicats qui existaient, négocier au niveau national. Il s'agit d'un syndicat qui est capable de signer un accord collectif. Et un accord collectif est composé de trois parties. Une partie qui n'est pas négociée, qui concerne la santé et sécurité au travail. Et quand nous causons la santé et sécurité au travail, ça les concerne les journalistes très fort. Parce qu'ils nous causent les heures de travail qu'ils ont fait. Ben, heures de travail qui mettent la santé en danger. Parce que bien souvent, ils ont besoin de faire une heure impossible, nous disons. Nous avons le haut qui nous besoin d'améliorer. Pour ce faire,
n'est pas possible qu'ils nous disent qu'ils nous représentent NNN journaliste par ci, par là, pour capable faire ça. Nous pouvons capable gagner l'ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a une campagne qui nous peut faire. Il y a un syndicat qui s'appelle Private Enterprises Employees Union. Là, nous arrivons à peu près 65 branches dans ce syndicat-là. Nous pouvons créer une branche pour les journalistes. Nous finissons même mes deux camarades jeunes. Il y a à côté de moi là, qui s'appelle Ashna. Et à ma gauche, qui est un ancien journaliste qui est tout connu, Emmanuel, qui peut donner un coup de main pour encourager, pour expliquer qu'il n'y a pas d'idée difficile, qu'il n'y a aucun appel.